Pierre Luc Funk est un acteur québécois. Il est né à Laval il y a 28 ans. Pierre Luc amorce sa carrière à l'âge de 12 ans en jouant dans un film Un été sans point ni coup sûr en 2008. Il incarne ensuite le personnage de Samuel Langevin dans la série Jeunesse tactique pendant 6 ans. Pierre Luc joue Guylain, le fils de Guy Jodoin, dans l'émission Sucré-Salé. En 2012, il obtient un rôle dans la série Les Parents. En 2014, il devient l'un des comédiens de l'émission SNL Québec. La même année, il obtient aussi un rôle dans le film 1987. L'année suivante, il joue dans le film Aurélie la flamme, les pieds sur terre. Il sera aussi dans Mémoire vive, où il incarne le personnage de Jérémy. Il gagnera un Gémeaux pour ce rôle en 2017. En 2016, il joue dans la série Le Chalet. Il sera brillant dans l'émission 14 000 millions de choses à savoir, ainsi que dans Sans rancune. Durant la pandémie, Pierre-Luc a joué un rôle très important pour communiquer aux jeunes. Il joue dans Les Suppléants. Il s'est aussi associé à Sarah-Jeanne Labrosse pour le gala Mammouth, qui présente toutes les personnalités québécoises préférées des adolescents. En plus de ça, il est aussi devenu la vedette de la Ligue nationale d'improvisation. Nous l'avons d'ailleurs interviewé tout juste avant une partie d'improvisation à Montréal la semaine dernière. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Quel genre de petit garçon j'étais? Je pense que j'étais unique. Ça, c'est comme une bonne façon de dire que je pouvais autant taper ses nerfs. Mais moi, je pense que je tapais vraiment ses nerfs à beaucoup de monde. Mais je tapais tellement ses nerfs que les professeurs voyait quand même quelque chose de spécial en moi. Fait qu'il était comme, bon, clairement, il ne fit pas dans l'école et ce genre de système-là, mais on voit que s'il devient, mettons, s'il est payé pour faire des niaiseries sur une scène, ça pourrait y aller, là, tu sais. Fait que je dirais unique. Quelque chose vous rend le plus fier dans votre carrière? Le truc qui me rend le plus fier dans ma carrière? Il y a plein de choses différentes qui me rendent fier pour plein de raisons. Quand je travaille avec mes amis, il y a quelque chose qui me rend vraiment, vraiment très fier de tout ça. Quand des gens que j'aime vraiment beaucoup dans la vie ont réussi à faire ce qu'on aime le plus au monde, qui est notre métier ensemble, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. Puis, juste le fait d'être le plus jeune joueur de la LNI, je pense que ça me rend vraiment, vraiment fier parce que c'est l'affaire que j'ai commencé à faire en premier. T'sais. La première affaire que j'ai faite, c'est de l'impro. Puis dans ma tête, je regardais les gens de la LNI comme les joueurs du Canadien de Montréal. Là, t'sais. Fait que quand je suis rentré à 18 ans, c'était un peu comme si je devenais un joueur professionnel du Canadien de Montréal pour un petit gars qui aime le hockey ou une petite fille qui aime le hockey. Tu sais, fait que c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés, je pense. Qu'est-ce qui vous stresse le plus dans votre métier? Qu'est-ce qui me stresse le plus? Ce qui me stresse le plus, c'est quand même une des affaires que j'essaie de plus me kicker le cul à faire, c'est de faire des affaires que j'ai jamais faites. Je pense que c'est l'affaire la plus stressante, mais c'est une des affaires les plus importantes à faire si tu veux devenir un artiste. Parce que si tu fais juste des affaires dans lesquelles tu es bon, tu grandiras plus. Fait que pour grandir, il faut que tu continues d'essayer de faire des affaires. Donc, ça veut aussi dire de continuer de se péter à gueule. Donc, ça fait peur, c'est stressant, mais je pense que c'est important. Vous avez joué dans Les Suppléants en 2020 durant la pandémie. Racontez-nous votre expérience. Bien, écoute, ça c'est arrivé quand même assez rapidement parce que justement, la pandémie a été déclarée, puis là, on faisait plus rien partout. Là, ça faisait un mois qu'on était chez nous. Puis là, on a reçu un appel, puis là, c'était Télé-Québec qui était comme on veut faire une émission qui s'appellerait Les Suppléants pour faire l'école à la maison pour les jeunes qui sont pris chez eux, tu sais. Puis j'avais rien à l'horaire, j'avais rien à l'agenda parce que, tu sais, c'était quand même fou, là, ce tournage-là. On arrivait avec nos vêtements, on changeait dans l'entrée, on mettait d'autres vêtements pas contaminés, on avait des masques, c'était terrible. Mais j'ai dit oui parce que moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a aimé l'école. J'aimais pas l'école. Ce que j'aimais de l'école, c'était l'impro, c'était la comédie musicale. Puis là, c'est comme... Je trouvais qu'il y avait une espèce d'ironie que moi, on me donne la responsabilité d'enseigner des choses à des gens. Puis je me suis comme donné le défi de je vais essayer d'aller accrocher le monde. Je vais essayer d'accrocher des enfants comme moi j'étais. En enseignant des affaires, c'est clairement pas ma force. Je suis pas enseignant dans la vie, mais je me suis dit, je vais me lancer le défi. Puis en plus, on n'avait rien à faire, tu sais. Fait que j'étais comme, c'est un beau défi, je vais le faire, je vais essayer de le réaliser pour essayer de... Si les gens aiment l'école, qu'ils aiment ça, mais si les gens aiment pas l'école, qu'ils fassent... Ah, c'est quand même une nouvelle façon d'apprendre qui est intéressante, tu sais. Quelle a été votre expérience de tournage que vous avez le plus aimé? Que j'ai le plus aimé? Ah mon Dieu, il y en a vraiment eu beaucoup.
je pense un des tournages qui va clairement rester très, très marquant pour moi dans ma vie, ça a été de faire SNL Québec, je pense. SNL Québec, qui était une reprise au Québec de Saturday Night Live. Peut-être que vous êtes un peu... Ben, ça joue encore, mais je sais pas si vous écoutez ça. Mais c'était vraiment... Moi, j'avais fini Tactique. Puis là, quand j'ai fait Tactique, le monde disait beaucoup comment on sait pas si on va te revoir après, tu sais, dans le sens, c'est un métier où c'est pas tout le monde qui perce, c'est difficile de faire sa place. Puis moi, je voulais vraiment faire ça dans la vie, tu sais. Fait que quand ça a fini, ça a été ma première audition. Après, quand je suis sorti, ça a été SNL Québec. Puis moi, j'étais un gars d'impro, j'aime ça faire des sketchs, tout ça. Puis quand je l'ai eu, c'est comme si là, je m'étais vraiment... J'étais plus juste le petit gars dans Tactique. Moi, je suis devenu Pierre-Luc Funk, le comédien, artiste, tu sais. Fait que je pense que ça a été très, très marquant pour moi. Puis ça a été une belle façon d'explorer les limites, puis de se pousser, puis de justement avoir ce côté-là un peu compétitif, moi, que j'aime de notre métier, qui est un métier de performance. T'sais. Avez-vous déjà regretté de vous engager dans des projets? Si oui, pour quelles raisons? Est-ce que j'ai déjà regretté de faire un projet? Mon Dieu, toi, c'est les questions plus coquines, là, tu sais. J'essaie de ne pas avoir de regrets. J'essaie de prévenir le regret. Mais oui, là, je dirais pas quoi, mais oui, il y a des fois où j'étais... OK, moi, j'étais comme ça. J'aurais clairement dû dire non à ça, là. Tu sais, j'aurais mieux aimé payer le salaire qu'ils me donnent pour rester couché chez nous. Mais pas tout le temps. J'essaie le moins souvent possible. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'improvisation? Ce que j'aime le plus dans l'improvisation, je pense que pour un artiste créateur, c'est le jeu le plus créatif possible. Parce que quand tu joues, mettons, à TV ou tu fais du cinéma ou tu fais du théâtre, tu es juste comédien, tu es juste acteur. Tu fais juste jouer le texte de quelqu'un d'autre, tu sais. Mais quand tu fais de l'impro, t'es acteur, t'es auteur, parce que c'est toi qui écris ce que tu dis, t'es metteur en scène, parce que c'est toi qui décides comment tu vas présenter l'improvisation devant le monde. Fait que c'est vraiment créativement, je trouve, le sport, le loisir le plus créatif possible. Est-ce que la COVID a beaucoup été nocive pour votre travail? Ouais, ben écoute, on a arrêté l'impro pendant 2 ans et demi. J'avais pas arrêté l'impro depuis 2 ans, depuis secondaire 2. Tu sais, puis moi, je joue 4 jours semaine, là, tu sais, genre, je joue tout le temps. Moi, tu m'appelles, je suis comme, je suis à Rouyn-Noranda, on a un match dans 15 minutes, je vais essayer de me déplacer pour aller le faire, là, tu sais, je suis comme, c'est un problème, là, tu me diras, mais genre, là, de pas jouer pendant 2 ans et demi, au début, ça a quand même fait du bien, parce que t'es comme, OK, c'est comme si je faisais un reset, je me vide de mes vieux réflexes pour essayer d'en construire des nouveaux. La première fois que j'ai joué après 2 ans et demi, j'étais nerveux comme si c'était mon premier match d'impro de ma vie. Là, fait que ça a été nocif, mais ça a redonné quand même l'excitation quand on a recommencé à jouer, ce qui était quand même bien. Là, comment avez-vous découvert votre passion pour l'art dramatique? C'est arrivé vraiment, vraiment vite. C'est arrivé vraiment... En fait, moi, j'ai essayé de faire des sports. Je ne sais pas si vous connaissez les sports, c'est l'affaire où tu bouges. Ben, j'ai essayé de faire ça parce que tous mes amis faisaient ça. Ils jouaient au soccer, jouaient au hockey, puis là, j'ai essayé de faire ça. Clairement, c'était pas ça mon affaire, là, t'sais, genre, pendant le soccer, moi, j'avais 2 mains dans le gazon, là, t'sais, mes parents étaient comme, c'est pas tout à fait ça les règles, mais t'sais, j'étais pas super, puis à un moment donné, il y avait des camps de jour, puis là, il y avait des activités de théâtre, impro, puis là, souvent, il y avait dans les camps de jour, il y avait comme des shows le matin puis le soir, là, t'sais, comme des rassemblements, puis je voulais toujours être sur la scène, je voulais toujours aller embarquer, quand il était comme, on a besoin d'un jeune, je l'avais tout le temps dans la main pour y aller, puis j'écoutais vraiment beaucoup la TV, j'écoutais Galaxy Près de chez vous, Radio Enfer, puis... J'ai dit à ma mère, j'aimerais ça être dans TV, tu sais. Puis mon activité, mon sport à moi, ça a été que ma mère m'inscrive dans une école de théâtre quand j'étais jeune pour enfants, qu'on montait des spectacles. Puis après ça, c'est elle qui a tout fait une démarche pour me rentrer dans une agence de casting. Fait que c'est vraiment elle qui a tout fait ça. Puis je la remercie grandement. Puis c'est grâce à elle que je fais ça. Mais elle a juste écouté le cœur de son enfant qui était comme, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis elle a fait, c'est ça que tu as envie de faire. On va tout faire en sorte pour que tu puisses le faire. C'est quoi la chose la plus difficile dans votre métier? La chose la plus difficile? Moi, je pense que c'est l'équilibre. C'est l'affaire la plus dure parce que on est des gens passionnés, on est des gens de cœur, on est des gens qui veulent donner 110 %. Puis donner 110 %, malheureusement, ça fait que 10 % de trop, là, si on fait le calcul. T'sais. Puis ça fait que... On le prend sur nous, tu sais, puis on veut donner plus, puis on est prêt à se scratcher les genoux, on est prêt à, tu sais, façon de parler, là, on se crache pas les genoux sur les plateaux de tournage, là, mais tu sais, on est vraiment prêt à se fatiguer, à brûler la corde par les deux bouts pour essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Mais je pense qu'il faut vraiment pas s'oublier, puis il faut préserver notre machine aussi, parce que si je suis trop fatigué pour faire ce que j'ai à faire sur un plateau de tournage, ben je suis pas à mon meilleur, tu sais.
Fait que je pense que c'est l'équilibre. Fait que c'est vraiment de. C'est bien de se donner, mais c'est bien de récupérer pour pouvoir redonner après aussi. T'sais. Cette semaine à Scolaire Moment, on est à la galerie de la Route des Ors pour l'exposition de sculptures de l'atelier 213. Est-ce que vous pourriez vous présenter en tant qu'artiste? Oui, moi je suis Sylvie Davio. Je suis sculpteur. Je suis aussi technicienne. Je donne des formations à l'atelier 213. Ça fait environ depuis 1998 que je suis revenue au Canada, parce que j'ai été 10 ans en Allemagne. Puis depuis... j'ai expérimenté la pierre de toutes ses façons. J'ai beaucoup aimé les pierres très dures, comme la Saint-Marc des Carrières, justement. Puis maintenant, je fais des pierres un petit peu plus tendres. Puis c'est toujours une surprise pour moi de découvrir toutes les teintes qu'on retrouve dans l'albâtre. Puis j'aime ça partager la beauté de cette pierre-là avec tout le monde. Je suis Myriam Grégoire. Ça fait quelques années que je fais de la sculpture. Puis moi, j'ai été bien impressionnée de découvrir la couleur, la richesse des pierres. Que plus on la travaille, plus elle se découvre. Pour moi, dans ma tête, là, c'était de découvrir complètement toute l'histoire de la terre. Enfin, ça, je me fais mon petit scénario, là, à moi, dans ma tête. Ça fait que c'est ça. Sylvie m'en a montré beaucoup. On apprend toujours. On apprend toujours. On a toujours quelque chose. Oh! À chaque jour. C'est ça. Ça a été une très belle découverte. Puis je vous encourage, parce que ça, là, quand on... C'est manuel, hein, c'est charnel, presque. Toucher ça, là, ça nous touche beaucoup. Je vous encourage à faire ça. Puis à commencer par... de l'argile. Parce qu'avec de l'argile, si on se trompe, bien, on peut recommencer. Puis ça, avec la pierre, des fois, si on se trompe, bien, des fois, il faut modifier un petit peu notre idée, parce que si on n'est pas toujours capable de la recoller. Alors, si vous voulez commencer à ça, je vous encourage beaucoup. C'est très créateur, très créatif. Alors, commencez avec de l'argile. Bonjour, moi, je suis Constance Rivard. Je suis sculpteur aussi. Je travaille beaucoup la pierre et aussi le verre. Ce dont on parlait tantôt, ce dont Myriam parlait, c'est que, dans le fond, c'est de la sculpture de soustraction. On peut pas, on pourrait rajouter d'autres matériaux, faire des trous puis coller, là, mais ici, c'est tout par soustraction, c'est juste qu'on en enlève. Moi, je fais de la sculpture depuis... j'ai commencé à 15 ans à faire de la pierre à savon. Comme vous viendrez voir ici, là, c'était comme... Au lieu de faire un dessin de ma main, j'ai fait en trois dimensions un vieux mocassin que j'avais dans ma maison. Ça, c'est de la pierre à savon qui vient de la baie James. Et celle-là aussi, d'ailleurs. Comment en êtes-vous arrivé à faire de la sculpture? Bien, moi, en fait, j'ai été élevé en face d'un lac. Il y avait de l'argile en face de chez moi. C'était à Sainte-Véronique. Mais un jour, j'ai rencontré un homme sur ce lac-là. Puis je suis partie en Allemagne, puis j'ai recommencé à faire de la sculpture. Là-bas, j'avais mon atelier, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon père, c'est un sculpteur. Puis quand que j'étais ici, avant de partir en Allemagne, j'ai étudié 5 ans en art. Puis la première sculpture que j'ai faite, j'ai gagné un prix. C'est en 75, ça fait longtemps. Puis même si j'ai pris un autre chemin, parce que j'ai été en administration, en comptabilité, en traduction, puis en toutes sortes de trucs comme ça, mais quand je suis revenue ici, bien, c'était plus fort que moi. Je voulais me remettre en traduction, fait que j'étais à l'université, puis non, j'étais acceptée. Fait que finalement, j'ai été à l'UQAM, puis à l'UQAM, ils m'ont envoyé à l'atelier Sculpte, qui est à Montréal, un atelier de pierre, puis
c'était ça ma vie. Puis ma première sculpture, c'est sur la rue Saint-Denis. Je m'étais inscrite pour un certificat en art plastique à l'Université du Québec. Parce que moi, c'était plus la peinture au début qui m'intéressait, puis les arts en général. Mais quand j'ai eu le cours de sculpture, ben, je tombe en amour. Tu sais, c'est une passion. J'ai découvert ça. C'est parce que c'est plus... on a plus un contact avec le matériau, avec la sculpture. Tandis que la peinture, ben, c'est agréable, c'est sûr. Puis c'est plus rapide. Il faut être patient, par exemple, pour la pierre. Ça, je vous le dis, si vous avez l'intention d'en faire à un moment donné, il faut être patient. On ne fait pas ça dans une journée. J'aimais ça, ramasser des roches, ramasser des œufs de fourmis, puis les mettre dans mon tiroir de bureau. Ça, c'était moins drôle. Mais les insectes, ça me passionne. Les plantes, ça me passionne. Elle est folle des roches, puis de toutes sortes de choses. Alors, moi, je suis allée dans ma vie où ça tire. Où ça tire d'ici, du cœur, dans le dedans. Fait que je suis allée au cégep en art plastique, à l'université en art plastique, puis en illustration aussi, parce que j'aime beaucoup dessiner. Puis j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. J'ai enseigné à des enfants, j'ai enseigné à des adultes, j'ai enseigné au cégep, dans un pénitencier, les arts plastiques. Et maintenant que j'ai plus de temps, que mes trois enfants sont grands, je vis 100% de mes passions, encore plus. Comment trouvez-vous votre inspiration? Ben moi, je trouve l'inspiration de l'actualité, de qu'est-ce qui se passe dans le monde, à travers la planète, dans ma ville, puis aussi à l'intérieur de moi. Ces trois sujets-là m'inspirent. C'est un petit peu ça, moi aussi. Là, c'est beaucoup à l'intérieur de moi, mes émotions. Et puis, des fois, ça dépend aussi de la pierre que j'ai devant moi. Des fois, c'est elle qui m'inspire. Puis, d'autres fois, ben, en bon québécois, c'est moi qui mène. Je rends ce que je veux là, avec la pierre. Mais c'est très émotif. Moi aussi, c'est très émotif ce que je fais. Mais moi, ça peut être, par exemple, une sculpture que j'ai faite. J'ai trouvé un cocon de papillon. Gros comme ça, c'était un papillon de femelle spongieuse qui est né chez nous. Je l'ai mis dans un aquarium. Le papillon est né, j'ai vu tout comment ça fonctionnait. Puis elle a pondu ses œufs, elle a enveloppé ses œufs, puis elle est morte. C'est comme ça, les spongieuses. Puis les spongieuses, là, c'est les papillons qui mangent les sapins, les pins, c'est un insecte nuisible, mais je l'ai protégé, puis je l'ai fait en pierre, grande comme ça. Une grosse pierre qui est ma chrysalide de spongieuse. Fait que moi, la spongieuse, je l'aime. C'est comme ça. Qu'est-ce qui est difficile dans l'art de la sculpture? Ça ne sera pas drôle à répondre. C'est certainement pas la passion, les faire. En tout cas, pour moi, c'est pas ça. Ça pourrait des fois se rendre à l'atelier pour la motivation, mais ça, c'est rare, parce que j'ai toujours de l'inspiration, j'ai toujours de la motivation, je manque jamais d'idées. Ce qui est dur, c'est de faire des expositions, puis de voir, bon, pas parce que le monde n'aime pas ça, le monde, mais c'est de voir qu'on arrive difficilement à en vendre, qu'on arrive difficilement à en vivre, c'est ça qui est dur. Puis c'est que ça prend vraiment beaucoup de caractère, beaucoup de persévérance, il faut croire en soi, puis continuer. Puis pour beaucoup d'artistes, ben on a besoin, parce qu'il y en a qui arrivent à l'âge de leur retraite puis qui viennent dans les ateliers. Mais moi, c'est pas mon cas. Fait que c'est une bataille à tous les jours. Fait que si vous voulez aller là-dedans, ayez une deuxième profession, comme moi j'ai eu administration comptabilité. C'est la poussière. Faut à un moment donné, là... On a beau avoir un masque, les poumons peuvent en souffrir. Alors, il y a peut-être ça. Puis c'est sûr que quand on a fini une journée de travail là, sur la pierre, bon, on est fatigué. Là. C'est dur physiquement. C'est un travail physique. C'est sûr que le cerveau travaille aussi, mais il y a beaucoup de physique. Alors, moi, je dirais que c'est plus ça. Puis là, c'est sûr que c'est une passion.
Moi, en tout cas, je ne vis pas de ça. C'est juste pour s'amuser, pour l'amour de l'art. Ben moi, j'ai un peu vécu ma vie un peu comme Sylvie a dit. Là, j'ai beaucoup enseigné et j'ai enseigné au niveau collégial. Et c'est ça, j'avais des revenus, mais 3 enfants, ça prend, hein? Faut qu'il y ait des sous, hein? Alors, mais j'ai toujours fait de la sculpture. C'est sûr qu'au Québec, c'est pas un milieu comme à New York ou aux États-Unis pour les arts. Mais c'est en montrant ce qu'on fait qu'on peut au moins montrer aux gens que ça existe. Quelle qualité ça demande pour être un bon sculpteur? Tout le monde pense que ça prend un talent inné puis qu'il faut vraiment être bon. Mais comme dans tout, la sculpture, c'est une question de persévérance. Puis, d'apprentissage, c'est avoir une intention, avoir l'intention de faire quelque chose. Si vous n'avez aucune intention, il n'y a rien qui va arriver. C'est être déterminé puis persévérant, ça c'est les qualités, avoir une tête dure. Il faut aimer ça d'abord, il faut avoir le goût de dire quelque chose, mais il ne faut pas lâcher. Mais il faut aller où ça tire, dans notre vie. Il faut vraiment que vous deveniez ce que vous êtes. À Scholar Le Monde. On est avec David Chabot, directeur des ventes chez Lachute Ford. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Bien, on a eu l'opportunité d'avoir le camion Megafan Ford Bronco du Canadien. Donc, on a organisé un événement. On a eu plusieurs véhicules. On a amené un kart de golf. On a un cheval qui a fait acte de présence, ainsi que les pompiers de Brownsburg-Chatham. Donc, on essaie d'avoir du plaisir avec nos trucs sur Internet. Qu'est-ce que ça a de spécial, un Bronco? Un Bronco, c'est un véhicule hors route avec le toit qui peut s'enlever. Donc, c'est un ancien modèle qu'on a depuis des années, qu'on a ravivé cette année. Donc, les Canadiens, eux, ils en ont fait un avec leur couleur. Donc, c'était ça le but de la chose. Puis nous, étant donné qu'on avait eu Arthur Lekanen comme porte-parole, on tenait vraiment à l'avoir en concession. Est-ce que c'est difficile d'avoir un Bronco? Bien, avec la pénurie de camions, effectivement, c'est plus long en avoir un. Ils sont très rares. Je pense que, tu sais, on a eu un cheval ici aujourd'hui, on a eu moins de misère à avoir le cheval qu'à avoir un Bronco. Ça coûte combien un Bronco? L'échelle de prix est entre 53 000, puis ça peut monter dans les alentours de 80 85 000. Celui du Canadien, évidemment, avec les couleurs comme ça, il n'y a pas de prix. Mais blague à part, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, il y a beaucoup de modifications qu'on peut y apporter. Ça peut frôler les 100 000 si on l'habille un petit peu. Mais l'échelle de prix, là, c'est vraiment 53 000 en partant. Parlez-nous des prochains projets de chez Lachute Ford. Bien, on est en pleine expansion, donc on a rajouté quelques mécanos. On essaie de grandir la place. C'est sûr qu'en pénurie de camions, c'est difficile, mais on fait ce qu'on peut pour la communauté également. On fait notre part pour le Centre de pédiatrie sociale, la fondation de l'hôpital. Puis on va être présent à la fair de la chute, l'expo de la chute cet été. Donc on essaie de redonner au public le plus possible.